C'est fini, les Bretonnes, ma chère Suzanne. Aujourd'hui, tout le monde a une Espagnole à son service. L'ascenseur, c'est pour les patrons. Vous, vous prenez l'escalier de service. À notre ancienne bonne, nous donnions 250 francs. Et j'ai décidé qu'avec... 400 francs. 400 francs. Bah, vous déraisonnez, enfin. Et je compte sur vous pour que tout soit impeccable. Ria, abre, Dolores, Carmen, Teresa. Vous êtes parfaite, une vraie fidéologie. Vous avez engagé une Espagnole? Parfaitement, et je vous demanderai de bien la traiter en plus. A mí me el gusta el jamón. Non. Venez, monsieur, je vais vous montrer quelque chose. Je vous préviens, c'est une bouchée là-dedans. Ah oui, ouf. Dites avec moi, juego. El juego? El jardín. El jardín. Elles vivent dans des chambres minuscules. Mais où est le lavabo? Le lavabo? Sans chauffage, ni eau courante. El jamón. El jamón. Enfin, d'ordinaire, tu ne te soucies ni des uns ni des autres. Et puis là, tout à coup, tu te passionnes pour des bonnes espagnoles. Bonjour, monsieur. Ah, bonjour. Pour Jean-Louis, je ne suis jamais sortie de ma province. Lui, ce qu'il aime, c'est ce qui brille. C'est les parisiennes, les élégantes. Je me suis trompée. Vous n'êtes pas un patron comme les autres. Mais je te dis que j'ai été dîner chez les Espagnols du 6e étage. Mais arrête de dire n'importe quoi! Mais tu crois pas que je vois qu'il y a quelque chose qui se passe? Bonjour, mesdames. Comment ça au 6e étage? Avec les bonnes Espagnoles. Les patronnes doivent rester chez les patrons. C'est la première fois que j'ai une chambre à moi. Si vous saviez ce que je me sens libre.